Mise en service en juillet 2006, la voie ferrée qui relie le Qinghai au Tibet a rejoint la liste des constructions chinoises les plus impressionnantes au monde. En connectant le reste de la Chine à cette région autonome, de nombreux changements sont survenus. Le plus flagrant étant dans l'industrie du tourisme. Avec un nombre de 2,6 millions de visiteurs en 2007, le Tibet est devenu une destination privilégiée, encore plus accessible par la nouvelle ligne. Objectif Chine était venu observer l'évolution de la construction de la ligne. Aujourd'hui, nous venons prendre la mesure des changements occasionnés sur cette terre sacrée. Bienvenue sur Objectif Chine. La voie ferrée Qinghai-Tibet, la plus longue voie ferrée du monde desservant des régions de haut plateau. Elle s'étend sur 1956 km, reliant Xining dans le Qinghai à Lhasa au Tibet. Une incroyable construction qui atteint les sommets des montagnes de l'Himalaya, pouvant monter à 5000 mètres d'altitude, parcourant des terres à l'écosystème fragile. Sa construction s'est en réalité faite en deux temps. Il y a tout d'abord cette partie qui relie Xining à Golmud. Elle parcourt 864 km et elle a été la première à entrer en service en 1984. À l'origine, elle devait continuer son chemin jusqu'à Lhasa, mais en raison de problèmes financiers et d'autres difficultés, la construction a été interrompue. Cette portion de voie ferrée était généralement empruntée par les gens de la région. Elle est devenue une étape importante sur l'actuelle voie ferrée. Elle attire toujours l'attention des voyageurs qui se rendent dans les montagnes et elle constitue le point de départ de toute expédition tibétaine.从去年的6月30号，从去年的这个通过一年的运营吧，从我们西宁站发送进藏旅客25.6万人左右，日均也就是700人。从去年的这个通车以来吧，应该说，作为我们西宁车站，在从硬件设备设施方面增加了很多投入。而且在原有的这个候车室的这个空间以内，我们又开设了一个进藏的一个民族旅客的候车专区，安排了这个专门的这个懂英语、懂藏语的这个专业的服务员。 而且我们在这个民族候车区增设了很多服务设备，你比如说是，增加了电视，而且增加了旅客休闲的一些阅览处，增加了旅客休闲的一些娱乐设备，比如棋类啊、棋牌类啊，而且还增加了这个旅客手机的这个免费的加油站充电器。 So, how long have you worked here for? About 1 year. Yeah. 1 year. And what's your job here? Just to serve the passengers, use English, Chinese, and a bit later Tibetan. You speak a little bit of Tibetan. Yeah, as Tibetan, well. A little bit Tibetan. What kind of things do you help them with? Just like how to buy ticket, how to get in station. How to where the passenger wait for the train? Yeah. Those types of things. So what kind of people from which countries have you been meeting since you've had your job? Many countries. American, Australian, Germany, and Japanese. All parts of the world. Yeah. Okay. Même si pour une grande majorité les passagers restent chinois. On peut apercevoir dans la foule quelques étrangers qui attendent impatiemment de prendre le train. Cette voie ferrée gagne en popularité et en confort. Beaucoup de touristes internationaux sont donc tentés par l'expérience. So, how did you, why did you choose to go on the train this trip? Well, we had read about the train and that it was opening. And we knew that it would catch on probably pretty fast, and it was kind of now or never that the tickets would become more and more difficult to get. So we just jumped at the chance. And Mount Everest, and just this is Shangri-La, you know. Yeah. And the beauty of the territory. That's part of the reason why we wanted to do the train is the beautiful scenery on the way. Definitely. And do the base camp. Hopefully,
I can make it to the base camp, Mount Everest. Yeah. Seeing now the altitude is about 2,200, so passing by here in about at least 25 hours by train on the trip, only 10% feel not good, but most of them feel it's good, very good. So by train it's very good. 通车一周年了，就是想沿途坐这个。 Xining est devenue plus populaire en Chine. Elle accueille une variété d'événements internationaux. Et elle se situe au début du plateau tibétain. C'est un lieu international. La ville voit passer 8 trains passagers par jour et 2000 visiteurs. Xining est à présent une ville d'accueil pour les visiteurs du monde entier. Ici, sur la place centrale, on peut voir qu'ils ont disposé une variété de drapeaux pour accueillir tout le monde. Le nom de cette ligne témoigne du fait que l'on considère la voie ferrée comme un tout. Mais la construction s'est faite en deux temps. La première étape a débuté à Xining, pour rejoindre Golmud, ce qui a pris une vingtaine d'années. La seconde étape a commencé ici, à la gare de Golmud. Elle s'étend sur 1000 km vers Lhasa. La gare de Golmud se trouve à 2789 mètres d'altitude. Pendant plus de 20 ans, elle était le terminus de la voie ferrée. Aujourd'hui, Golmud n'est plus qu'une gare de passage sur la voie en direction ou en provenance de Lhasa. C'est dans cette gare aussi que se trouvent les principaux centres de traitement des eaux et des déchets recueillis dans les trains au cours de leur trajet.自青藏铁路公司去年7月1号开通以来，那么在我站这个发送的旅客啊，比以往可能要稍微降了一下，其目的就是内地的旅客啊，直接可以到拉萨去旅游观光。那么从拉萨返程的旅客呢，像比以前可能要增加到50万人左右。那么从拉萨直接可以返回自己的目的地，可以到达自己的家乡，给旅客的出行这一块带来很大的方便。 Le train ne s'arrête que pendant 10 minutes avant de continuer sa course vers les sommets. Nous avons pris un train en provenance de Beijing pour Lhasa. Quand nous étions venus faire un documentaire sur le Tibet, nous avions pris la voie express de Golmud à Lhasa. En fait, on avait mis 24 heures. On s'arrêtait souvent le long de la voie ferrée. Ce matin, en nous réveillant, on a décidé d'aller conduire dans ces montagnes encore. Et j'avais gardé un très bon souvenir, un merveilleux souvenir de cette terre. C'est une terre vierge. Et c'est incroyable de voir une si vaste étendue inhabitée quand on pense à la population chinoise. C'est calme,
c'est très reposant. Pour nous touristes, c'est très pratique d'aller jusqu'au toit du monde. On prend le train, on regarde par la fenêtre et nous voilà à Lhasa. Mais il ne faut pas oublier ces soldats qui sont en service dans ces montagnes à une telle altitude pour protéger la voie ferrée et assurer notre sécurité. Les équipements de cette station sont assez modernes, mais c'est véritablement l'altitude et l'isolement qui mettent à l'épreuve cette police armée. Âgés de 18 à 21 ans, leur vie est faite de discipline, bien loin de leur famille et de leurs amis. Je n'ai pas été autorisée à assister aux autres exercices militaires, mais j'ai pu les rejoindre pendant leurs heures de loisirs. Ça fait plaisir de les voir s'amuser. Il n'est pas aisé de vivre à cette altitude pendant 3 ans, et ce malgré les précautions prises en matière de santé. Ces soldats se dévouent corps et âme pour assurer la sécurité de la voie ferrée. Alors que nous montons dans le train à la station de Golmud, en direction du toit du monde, je suis excitée à l'idée de pouvoir enfin traverser ces mystérieuses montagnes. Nous allons atteindre des altitudes incroyables, plonger dans ces secrètes terres paisibles. Le train traversera des endroits célèbres, comme la réserve de Kokushili, où nous espérons voir des troupeaux d'antilopes tibétaines. Nous passerons la rivière Tuotuo, puis le col de la montagne Kunlun, où nous aurons atteint la vertigineuse altitude de 5000 mètres. Le paysage est fait de majestueuses montagnes enneigées et de magnifiques lacs cachés. Nous approcherons aussi de la source mythique des trois grandes rivières de Chine, avec au-dessus de nous un ciel d'un bleu céleste. Depuis notre compartiment douillet, nous pourrons admirer la beauté des montagnes de l'Himalaya. En me promenant dans les allées du train, j'ai vu que les passagers étaient tranquilles et s'occupaient en jouant, malgré la haute altitude. Le train fournit tout le confort nécessaire à un long trajet à travers les montagnes. Les trains passagers sont équipés pour un voyage des plus confortables. Il y a 3 classes qui se différencient un peu par le niveau de confort. Le train chemine en moyenne à 100 km par heure, sur les voies les plus accidentées. Sur les voies normales, il peut atteindre les 120 km/h. C'est plutôt une bonne moyenne sur un terrain aussi risqué.
de passer le pont de Tuotuo, qui se trouve à la source du fleuve Yangtze. Le Yangtze est le plus long fleuve de Chine et l'une des principales sources d'eau pour le sud de la Chine. Nous avons atteint sur notre route l'altitude de 4696 mètres. Là, les plus impressionnantes montagnes enneigées et le plus bleu des ciels s'offraient à nos yeux. It's very nice, and also the animals like yak, like antelopes, like and the snow on under the mountain. It's very nice. It's a very nice mountain. 现在对我来讲是一个很新鲜的铁路，这个工程浩大，不简单。 So it's very controllable. I guess I was surprised because we were expecting some problem maybe because the altitude. But I must say the train is constructed and organized so that the tourists, at least our type of tourists, feel comfortable. So it's really very nice, and you could sleep quite well. So it's a wonderful project. It's something which is for me it's a very important challenge to have built such a railway stations at this altitude. For workers, for everything, the logistic, the material, it's impressive. Après 14 heures passées dans le train depuis Golmud jusqu'à Lhasa, je suis contente d'arriver enfin à la gare. Quel voyage! Ces sommets enneigés, et puis nous avons eu de la pluie, du soleil, du ciel bleu. C'était magnifique, mais je suis contente d'être à Lhasa. Je suis heureuse de voir le palais du Potala, et je suis ravie d'aller dans mon hôtel. On se voit plus tard. Les passagers empruntent cette voie pour différentes raisons. Le tourisme est en plein essor, mais parmi des visages de touristes étrangers, on trouve aussi beaucoup plus de moines et de lamas qui viennent de tous les coins de la Chine, du Népal et d'Inde. La voie ferrée les a rapprochés de cette terre sacrée. From July 1st last year to the July 31st, I mean, in the course of 1 year, we have received something like a total number of tourists, something like 3 million. Mm-hmm. So from the 3 million tourists, 53%, so that's generated from on the railway. I mean, the right. more than half. Yeah. Have come on the railway. Right. Uh-huh. It's really nice. Yeah. I mean, it's very multicultural. I didn't expect to see so many different races here. Like, there was a whole section I went walking today, there was a whole section of Muslims, oh. Which I really didn't expect to find here in Lhasa. And there's lots of Nepalese and Indians. I feel interested because Lhasa is quite amazing because all the monastery and also a lot of different peoples from different countries. I have to say it's pretty nice. I didn't saw only Lhasa up to now, so let's see. But it is famous in the world, so I think we will see quite a lot of nice things here. 青藏铁路开通以后，不用说整个拉萨、整个西藏都有了很大很大的变化。当然，大昭寺也是在这个里面有了很大很大的变化。比如说。
从那个游客的人次来讲的话，比往年，也就是零七，也就是青藏铁路开通之前，多了可以说翻了几倍的那种样子。现在我们这边的话，平均人次应该都在2700-800人次。往年青藏铁路开通之前，都平均都在1000-700这种样子。为什么呢？因为我们已经尝到了这个，就是说它的优越的一种性质，所以我们也希望这种优越的这种就是说性质能带到我们藏区的各个角落、各个地方，能给个就是说这个青藏铁路这个铁路呢，能给我们全西藏的人民带来一个幸福。青藏铁路的通车啊，应该说受惠最多的是我们拉萨市。第一，对我们拉萨市旅游业来讲有了很大的促进，有了很大的发展。第二，青藏铁路通车以后呢，对我们拉萨市的招商引资工作有了很大的促进。第三，这个青藏铁路通车以后，随着大量的客商和游客的到来，就促使我们改变城市的环境面貌，提升城市的基础设施建设，促使我们更好的去规划拉萨、建设拉萨、发展拉萨，使我们拉萨呢变得更加的有魅力。Dans quelques années, des marques tibétaines vont voir le jour grâce à cette voie ferrée qui facilite les exportations des produits tibétains vers le reste de la Chine. Une entreprise a déjà sauté sur l'occasion. C'est la compagnie 5100 d'eau minérale. Elle se trouve à Dongchang, au Tibet. Ici, nous pouvons voir les opportunités qu'offre la voie ferrée. C'est l'une des principales usines tibétaines de mise en bouteille qui exporte ses produits dans toute la Chine. C'est aussi probablement l'une des plus hautes en altitude. Donc nous voilà dans la vallée. Et vous pouvez voir la rivière qui descend là. Vous pouvez voir jusque là-bas, derrière, la conduite. Elle va de la source qui est au sommet de la montagne jusqu'à l'usine d'embouteillage. On prend donc l'eau à sa source. Ça ne peut pas être plus frais que ça. Directement à la source. C'est magnifique ici. Ici, dans les environs du temple de Dajiao, vous pouvez voir clairement le développement du tourisme. Juste en regardant les gens autour de moi. Il y a des moines bouddhistes, des chinois et des autochtones et des étrangers comme moi. Il y a aussi de petits marchands qui vendent de l'artisanat tibétain et des moulins à prière. Ici, on peut sentir toute la spiritualité des lieux et les visages racontent tellement d'histoires. C'est un lieu étonnant. La voie ferrée tibétaine n'a pas seulement apporté plus de confort aux gens. Elle leur a aussi fourni du travail, des opportunités et un meilleur niveau de vie. Avec cette nouvelle ligne qui ouvre le Tibet au reste du monde,
le visage de cette terre continuera sûrement à évoluer. De plus en plus de gens prendront conscience de la qualité de ses produits et de sa beauté. Cette terre sacrée est un vrai cadeau du ciel. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode d'Objectif Chine. En espérant vous revoir bientôt. Au revoir.